Après plusieurs crues dévastatrices de la Durance, il fut décidé en janvier 1955 de la construction d'un barrage, afin de régulariser le débit fougueux et imprévisible de la Durance. Le futur lac de Serconçon fut présenté comme le bienfaiteur de la région, plus de crues, de l'eau toute l'année, une irrigation régulière et constante, en aval du barrage, et un développement touristique au bord du lac. Le point noir de ce projet, le lac atteindra la côte 780, ce qui signifie que l'important village de Savine, situé à 700 mètres d'altitude, va disparaître sous les eaux. Toutes les maisons devront être rasées et leurs habitants expropriés. Comme pour les autres barrages construits ces dernières années, personne ne veut y croire et tous pensent que le projet va tomber à l'eau. Mais voilà, en mai 1957, les premiers camions commencent les va-et-vient, les premières maisons sont dynamitées, les fondations du barrage sont entreprises. Les gens prennent alors conscience que plus rien n'arrêtera le projet. Leur tour est venu. Les Savinois devront définitivement partir. Cinq années se sont écoulées depuis la construction du barrage de Tignes, en Savoie. Les conditions de départ sont mieux prises en considération. Si les hameaux de Prunière, Ubaye et l'île Rousset sont définitivement rayés de la carte, le village de Savines sera reconstruit au-delà de la côte 790. Rasé une à une ou dynamité, les maisons de Sarving ne font plus partie que des souvenirs. Usines, ponts, gares, églises, tout y passe. Le cimetière du bail et sa chapelle seront déplacés sur les hauteurs. Le barrage est de type digue », c'est un des premiers en France. Cette technique vient des États-Unis et il faut le reconnaître, c'est moins vilain qu'un barrage de type voûte en béton. Ce sont quelques 14 millions de mètres cubes de terre et de matériaux qui sont nécessaires pour la construction de cet ouvrage. Dans le même temps, le nouveau Savine sort de terre, un village sans âme, sans histoire, et doté d'une architecture très moderne pour les années 60. Beaucoup de Savinois quittent la région, plutôt que de s'installer dans ce nouveau village qui n'est pas, et ne sera plus jamais le leur. Un pont de 924 mètres de long est construit afin de rejoindre les deux rives. Douze piles soutiennent le tablier du pont. Le plus grand pilier domine les ruines du village du haut de ses 45 mètres. Dans le courant de l'année 1960, le barrage est terminé et les vannes sont fermées. L'eau monte doucement. Le 3 mai 1961, il ne reste du village que l'église, qui, si elle n'avait pas été détruite, laisserait jaillir son clocher hors de l'eau. Le nouveau village domine l'ancien. Le lac de Serponçon est définitivement achevé pour l'été 1961. Les seuls édifices à avoir été épargnés furent la chapelle Saint-Michel et un vieux pont qui enjambait une rivière. La chapelle était située à plus de 790 mètres d'altitude, dépassant de peu la ligne de flottaison. Celle-ci fut sauvée in extremis et aujourd'hui, chaque touriste peut la contempler ou se rendre sur son île. Elle a été murée suite à de nombreux actes de vandalisme. En se rendant au barrage par la route de Chorges, le visiteur passe tout près de ce pont qui, en descente, semble rentrer dans l'eau comme pour rejoindre l'ancien village. Celui-ci est très visible quand les eaux sont basses. La région est transformée. Le climat est moins sec. La plaine en aval du barrage est devenue une des régions les plus productrices de fruits. Des hectares d'arbres fruitiers ont vu le jour grâce au système d'irrigation fourni par le barrage. Les campings, les restaurants et les centres de vacances sont aujourd'hui omniprésents autour du plus grand lac artificiel d'Europe. Le village de savines le lac est devenu un lieu touristique important, et très fréquenté. Il s'est même doté d'un quartier nommé le Vieux Savine, peut-être pour se créer un passé qu'il n'a pas. Le vrai Savine n'existe plus qu'en photographie ou dans les souvenirs des anciens. Les touristes savent-ils qu'en passant sur le pont, ils dominent le village où vécurent et travaillèrent plusieurs centaines d'habitants,